Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour Toy Trends VR sur PlayStation VR 2. C'est un jeu que j'ai aussi eu sur Quest et sur PC VR. Ça fait 2 semaines que j'ai le jeu, j'avais pas encore vraiment pris le temps de le lancer. Il y a eu les fêtes de fin d'année déjà qui ont fait que j'avais pas spécialement le temps de jouer. J'ai aussi récupéré un Quest 3 sur lequel j'ai passé beaucoup de temps. Et je me suis dit que j'allais quand même vous en parler. Le jeu sortira ce 16 janvier sur PSVR 2. Donc c'est un jeu dans lequel on va devoir construire en fait des petits parcours de train pour évoluer dans des niveaux avec des énigmes. Ça a l'air plutôt sympa. Le jeu vient tout juste d'être traduit en français, hein. Je savais que le jeu serait traduit en français, mais j'ai attendu justement que cette mise à jour soit disponible vraiment aussi pour lancer le jeu. Merci d'avoir laissé entrer un peu d'air, ça fait des lustres que j'étais là. Tes parents m'avaient dit que tu finirais par me trouver ici un moment. Est-ce que tu veux me dire? Bien sûr que je suis quelqu'un de réel, aussi réel que ton imagination. À propos, la tienne pourrait nous être très utile. Nous avons quelques problèmes de transport à la maison. Tu veux bien nous aider? Génial, ouvre la boîte. Allez, on est parti. Donc on va très certainement devoir faire un tutoriel ou un didacticiel, si on veut parler dans le... Nous voilà donc ici, dans le catalogue Toy Trends, ce petit bonhomme qui nous parle. Alors, hey, c'est un plaisir de te rencontrer. On construit une mairie. Tu voudrais bien nous aider? On a déjà installé un circuit et entre une maison et le chantier de construction. Mais on n'arrivait pas à mettre le train dessus. Sans doute nos mains étaient trop petites. Ah, ben, on va faire ça alors. Mettre le train. Qu'est-ce que je dois faire après? Tirer sur ça? Oui, c'est fait. Je tire dessus et le petit train se met en marche. Bon, techniquement, c'est assez simpliste. On est vraiment sur un jeu qui est en low poly. C'est un peu flou, par contre. Je sais pas si c'est vraiment flou à cause du jeu ou si c'est flou parce que je suis très habitué à jouer sur d'autres casques en ce moment. Mais ça m'a l'air un petit peu flou quand même. Tire sur l'épingle et passons à la suite. Il reste encore beaucoup à faire. Ok. Des nouvelles catégories ont été ajoutées au catalogue, des pièces. Il nous manque quelques pièces. Tu veux bien prendre quelques-unes dans le catalogue et les placer? Avec grand plaisir, plaisir, hop. Ah, ok, faut que je finisse ce parcours-là. Je pense qu'il faut prendre celle-ci, la mettre là. Attends, j'ai foiré ici. Ah non, c'est bon. Et là, il me manque... Donc, c'est un jeu comme ça qu'on va faire évoluer. Voilà une nouvelle tête qui pourrait nous aider. Tu peux faire un circuit et relier la maison avec la mairie? Relier la maison à la mairie? Ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que je fasse un tour comme ça? Je pense. Hein. On va essayer de mettre ça là. Ça ici. On va mettre un comme ça. Un autre de ce sens-là. Voilà. Est-ce que c'est ce qu'il demande? Je sais pas. Ce qu'il me dit de relier en fait les... A priori c'est bon, ça fonctionne. On a vraiment en fait un petit circuit. Nous y sommes presque. Quand ce sera fini, on aura fait un lieu pour se réunir. Mais je dois avouer que je n'ai aucune idée sur comment placer une voie ferrée ici. Et toi? Peut-être qu'on pourrait utiliser de nouvelles voies ferrées depuis le catalogue. Ok, donc il y en a des nouvelles. Il y en a juste une là, ici. Il faut que je fasse... d'accord. Je vais mettre une ici comme ça. Est-ce que je vais pas mettre ça comme ça? Oula, non, là je suis pas bien du tout. Ah, peut-être une comme ça ici. Non, ça va pas aller non plus. On va mettre une comme ça là. Si je mets ça là, comme ça, est-ce que je peux utiliser celui-ci? Non, ça marche pas. Bah, tout de suite, on a ici... Je vais retirer ce qui me gêne là. Hop, tout de suite, on a ici... Un petit, je vais essayer de faire un truc, je vais essayer de pas trop me prendre la tête parce que ça a pas l'air si évident que ça. De premier abord, je vais essayer plutôt de faire un truc relativement simpliste. Ah, je vais pas prendre lui, trop grand. Je vais prendre celui d'à côté. Si je fais ça, que je le mets là, théoriquement, je devrais pouvoir les rejoindre tous les deux. Ouais, c'est bon, c'est nickel. Et nous y voilà, pas celui-ci, lui. Voilà, ça a l'air bon là. Bon, j'ai pas fait ce qui était prévu que je fasse, je pense, parce que je devais utiliser les nouvelles pièces que je n'ai pas utilisées. Mais bon, tant que ça fonctionne, moi ça me va.
Donc là, j'aurai a priori fini le premier niveau. On va passer au niveau suivant. C'est vraiment très cool comme jeu. C'est vraiment très très cool. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi agréable à jouer en fait. Tu as fait du très bon boulot avec cette mairie. Je parie que d'ici peu, les rallyes feront la queue pour venir demander ton aide. Tu remarqueras même pas quand tes parents seront de retour. Bonjour mon ange, on vient juste d'atterrir et sortir de l'avion. Le vol a été très long, tu nous manques déjà. Amuse-toi bien avec le papy et mamie, on sera de retour très vite. Gros bisous maman. Alors, nouvelle top secret. Nous devons partir en mission avec maman. N'en parle à personne, on sera de retour très vite. Promis. PS, tu peux jouer avec mes petits trains pendant mon absence, mais fais attention à ne pas les casser, d'accord papa. Donc là en fait, ah non, ça c'est le niveau que je viens de faire, non? Oui, là je vais au niveau 2, d'accord. On va voir un peu ce qui m'attend ici. Le niveau est tout de suite beaucoup plus petit. Alors, qu'est-ce qu'il nous veut celui-ci? Hey, regarde un peu ça. Maman a dû nous acheter de nouvelles pièces avant de partir. Elles ont l'air de serpenter, espérons qu'elles ne mordent pas. En tout cas, ça devrait nous changer du train-train quotidien. As-tu saisi? Non. Oh, pas grave. Petit jeu de mots, hein. Alors, ok. Qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Relier les... Il faut relier les pièces comme ça. Attendez. Du coup, non, pas celle-ci. Dans le sens là, peut-être? Voilà. Non. Je l'avais mis dans l'autre sens. Je voulais le mettre dans l'autre sens. Ah bah je l'ai fait tomber. Je vais la faire dans l'autre sens comme ça. Je voudrais qu'elle soit... Voilà. Non, pas celui-ci. Voilà. Ça a l'air d'être un peu mieux comme ça. A priori. On a construit ici une statue. Il n'était pas très long ce niveau. Le premier était plus long quand même. Bon, je pense qu'après, ça va devenir un peu plus compliqué et un peu plus complexe, dans le sens où on aura effectivement des petites rivières à parcourir, etc. Alors. Papa-maman pilotait un avion. En tant que pro du pilotage, j'en veux moi aussi. Avec un aéroport, bien sûr, sinon comment pourrais-je atterrir? Je ne veux pas qu'on me voie voler en montgolfière, qui sais-je, ok. A priori, il veut qu'on lui fasse... Donc en fait, le but du jeu, c'est toujours la même chose, c'est de créer des parcours qui rejoignent en fait a priori les lieux. Donc en fait il faut que j'en crée un qui fait le tour ici, un autre qui fait le tour là-bas, un autre qui fait probablement le tour ici. On va regarder hein, si c'est ça, parce que du coup j'ai un petit doute sur le... Oui non, ça va pas le faire ici. Non, je rentre directement dans le... dans la verdure. Hop, non, pas celui-ci. J'ai pris un trop grand, celui-là est trop grand. Hop, on va le jeter, on va prendre un plus petit. Il est toujours trop grand en fait. Voilà, ça va mieux. Ça détend vraiment beaucoup comme jeu en fait. On a l'impression d'être de retour un peu comme ça. Dans une période qu'on ne connaît plus aujourd'hui, hein, de toute façon, avec... On pouvait passer notre temps comme ça à construire des rails avec des petits trains de l'époque, je sais pas, peut-être que certains ont connu. Les petits trains électriques qui étaient vendus en grande surface. Et on pouvait conduire comme ça... construire, pardon, des petits trains. Par contre, ça m'a pas débloqué quelque chose. Je me demande s'il faut pas que je vais te retirer, toi. Je me demande s'il faut pas que j'englobe aussi celui-ci avec... Donc je vais mettre plutôt là, celui-là. Reprendre lui. Il y en a un autre là, juste là, ok. On va mettre celui-là, là. On va mettre un deuxième comme ça, ici. Je pense qu'il faut que j'englobe aussi cette maison. Après, c'est peut-être pas ça, hein, mais bon. On tente, on verra bien. Voilà, donc a priori j'ai entouré les deux maisons, voilà, c'était bien ça qu'il fallait faire, il fallait englober les deux maisons. Donc j'en ai une là-bas ici, mais elle est toute seule.
Donc je pense qu'elle aussi, il va falloir que je crée... Attendez un peu, hop. Il n'y a pas tant d'indices que ça, en fait. Hein. On est vraiment sur un jeu qui nous laisse un petit peu libre cours à notre imagination, ce qui est pas plus mal en soi. C'est beaucoup trop gros, ça. Alors, je connais pas le prix du jeu. Je pense qu'il sera aux alentours de 15-20 euros. Ça m'étonnerait qu'il soit beaucoup plus cher. Mettre un petit train, une petite locomotive. Alors, il me manque quelque chose ici parce que il m'a pas entouré la petite maison. Est-ce qu'il fallait vraiment entourer cette maison? Est-ce qu'on peut avoir un indice du coup? Non mais ça je le sais. Mais même si je fais ça, enfin ça me valide pas mon puzzle. Donc est-ce qu'il fallait que je passe en fait comme ça ici? Parce que bon, l'avion, faut bien qu'il atterrisse quelque part. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ce petit train. Hop. Attention de ne pas les casser. Promis. Je casserai rien du tout. Je vais englober en fait tout le parcours du coup. On verra bien si c'est ce qui est demandé ou pas. C'est pas pratique pour les retourner comme ça en fait. C'est dans le sens. Non, je vais le mettre dans l'autre sens, s'il te plaît. C'est peut-être pas le bon. Du coup, je vais prendre l'autre. Ouais, je fais un truc complexe là. Hein. Je suis parti là. Je suis parti. Plutôt prendre l'autre. Hop. Non, toi tu restes là. Toi tu viens là, mais là je vais t'embêter. Non, je vais pas mettre celui-là. Est-ce que ce sera bon cette fois? Mais il n'y a pas l'air de vouloir me le prendre non plus. Je comprends pas ce qu'il faut faire du coup. Je ne comprends pas. Est-ce que je fais quelque chose de mal? Je sais pas. Bon. Faudra que je creuse un petit peu. En tout cas, c'est prometteur sur ces premiers instants. Ça a l'air très amusant. Il y a de l'énigme, puisque forcément, vous voyez un peu, là, j'ai fait un parcours ici un peu plus complexe. Je pensais qu'il fallait englober en fait l'intégralité du truc. A priori, c'est pas le cas. Ou alors, il faut vraiment frôler, si vous voulez, les bâtisses. Ce qui me semblerait aussi assez cohérent. Dans tous les cas, voilà, c'était une découverte sur Toy Trends VR sur PlayStation VR 2, un jeu qui sortira ce 16 janvier sur MetaQuest, sur PlayStation VR 2, mais aussi sur PC VR. C'est vraiment très cool. Faut voir si vous aimez le style, si vous aimez le genre détente, etc. Ça peut clairement le faire. Dans le cas contraire, bah, je vous recommande pas le jeu. Maintenant, voilà, ça reste vraiment très amusant. En tout cas, moi, j'ai pris du plaisir sur cette petite vidéo et je vais continuer tranquillement de mon côté. Pour en voir plus, en tout cas voilà, c'est assez prometteur, il y a vraiment une idée derrière le truc, c'est pas juste poser des rails et mettre des petits trains dessus pour progresser, il y a vraiment quelque chose derrière, il y a une recherche. Alors clairement c'est pas le jeu qui vous fera gagner en confiance hein, sur votre PSVR 2 qui hélas, encore une fois aujourd'hui, a un avenir plutôt sombre, en tout cas jusqu'à ce que Sony se décide enfin à prendre la parole. Mais dans tous les cas, voilà, ça reste un jeu très amusant et qui peut potentiellement aussi plaire aux plus jeunes. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo de Toy Trends VR vous a plu. N'hésitez pas à rester connecté, d'autres vidéos arrivent. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!